Yo la mif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous avais promis justement que j'allais enchaîner mes objectifs maintenant que j'ai eu le Domakuro x8. Je vous avais dit c'était quoi les objectifs: up niveau 200, optimiser Cryo Pandaini. Et ensuite après on est parti directement pour le rush des 100 quêtes d'alignement. J'espère avoir le temps avant de commencer Dofus Retro le 30 septembre. C'est-à-dire dans, du coup, normalement cette vidéo vous l'aurez, ouais, dans 2 semaines normalement du coup, quand vous verrez cette vidéo. Et regardez juste cette XP incroyable, je vous avais promis que j'allais vous proposer un donjon Ouga avant de passer sûrement au farming, au rush fossile. Parce que voilà, je vous avais promis que j'allais vous proposer d'autres astuces XP finalement que le fossile, parce que le fossile je vous avais déjà proposé ça il y a quelques mois. Et donc voilà, j'avais bien raison, ce donjon est complètement fumé en XP, 4 minutes et quelques, 25 millions d'XP. Les Kamas, c'est incroyable, regardez les Kamas, c'est un donjon de malade. Donjon Ouga, sans doute une des meilleures zones, si jamais vous cherchez une zone pour XP, regardez, et des Kamas en même temps, allez farmer ce donjon. Et encore moi, bon bah du coup, moi je monte pas Dragodin, mais si jamais je devais monter Dragodin, ça serait tellement rentable ce donjon. Regardez juste le nombre de Kamas, 4500 Kamas unités par ressource, Lévi en 10 000 Kamas par perso. Ça c'est un combat à 150 000 Kamas, voire même 200 000 Kamas. Ouais, facile, 200 000 Kamas. Donc voilà les gars. Et puis bah voilà. Donc j'espère que vous allez très bien en tout cas les amis. Aujourd'hui donc voilà, nouvelle vidéo. On va enfin, je pense que les vues seront de retour sur ma chaîne. Parce que je faisais pas beaucoup de vues hein, notamment parce que les quêtes de Makuro ça intéressait pas grand monde. Les donjons Pandala ça dépendait des donjons. Mais là je pense que on va dire que ma chaîne va recommencer à faire des vues. Parce qu'en fait ce sera du contenu intéressant. Généralement voilà, les gens ils aiment bien quand il y a des gros XP, grosse astuce Kama, optimisation des persos. Voilà, rien. Je prends du 40 millions quoi. Et encore, j'ai même pas mis les idoles que je voulais, à savoir, c'est pas ça que je vais mettre. Je vais mettre Ulu. Et je peux même encore augmenter, je pense. Si j'enlève le Dynamo et si je mets un autre Ulu, j'ai 263 et je pense pas avoir au-dessus. Je pense pas que je puisse avoir au-dessus. 263, donc voilà, je prends du 45 millions d'XP les gars, no chal. Autant vous dire, c'est de l'XP abusé en fait, c'est vraiment de l'XP abusé. Je vais prendre un petit screen, ce sera peut-être pour la miniature, je sais pas, je vais taper miniature Ouga. Mais voilà, ça c'est un donjon, alors que j'ai pas farmé hein, sur Pandore, mais c'est un donjon où je savais que l'XP était assez impressionnant. De toute façon, bon, c'est un donjon 180. Faut savoir que bon, si vous avez une team 180, je pense que vous pouvez le gérer. Même 150, après le Ouga, faut faire attention. Là, vous allez voir, moi, ma stratégie, c'est la même qu'il y a quelques temps hein, où j'avais fait une vidéo dessus. C'est-à-dire qu'en fait, je vais focus l'Ouga. Hein. D'ailleurs, attendez, sur Hagrid, j'ai jamais fait ce donjon, vous allez voir. Si je dis pas de bêtises, je n'ai jamais fait le donjon Ouga sur Hagrid. En plus, je crois que je dois le faire pour la quête tour du monde, je crois. Donc, collant, je vais pas faire. Je vais faire score 200. Dernier, en vrai je pourrais faire dernier mais je sais pas. Je pense que je vais tuer le Ouga en premier et puis je vais pas me prendre la tête. C'est surtout un test cette vidéo. Sachant que là du coup dans 30 minutes je dois repartir travailler. Donc je vais éviter de faire le succès dernier. Et puis voilà, on va faire le succès premier. On va juste faire le succès score 200. Allez c'est parti les amis, en tout cas souhaitez moi bon courage. Même si comme je vous l'ai dit, je connais l'Ouga par cœur. C'est un donjon très très bien, très rentable en XP et en Kama. Alors, je sais pas en fait si je peux le tuer dès le tour 1. Je pense pas pouvoir tuer dès le tour 1, le Ouga. Je pense même que c'est mort. Je mets le Domakuro ou pas? Non, ça sert à rien de Domakuro. Enfin, c'est pas que... Ouais, si, il est nul. C'est parti? Eh ben, c'est parti. Allez, vous allez me voir jouer 8 comptes. Ça va vous faire du bien. Bon, le chat est horrible. Versatile. Honnêtement, de vous à moi, je peux faire le succès dernier. En vrai, je peux. Je crois que je vais commencer le boss dès maintenant. Je vais faire le châle versatile, hein. Ça c'est une certitude. Alors, du coup, avec les idoles que j'ai mis, comme vous avez pu voir, je peux pas taper à distance. Sauf si je sais que je le finis, mais je le finirai pas. Parce que j'ai claqué qu'une seule vue. Bon, j'ai un châle éclaté. Hein, Versatile, ça va, ça donne pas mal, mais... je suis quand même un petit peu...
Donc le but là les gars ça va être de tuer le Ouga. Alors avec ma team sur Pandore étant donné que j'ai une team de sang beaucoup plus optique qu'ici. Eh bien figurez-vous que je le tue en avec 3-4 persos quoi dès le tour 1. Mais là avec ma team sur Hagrid ça va être différent. Bon bah voilà. Ah d'ailleurs ouais j'aurais pu capturer effectivement. Bon là. En vrai est-ce que je le finis le Ouga? Je pense que si j'étais mieux placé que ça je le finirais mais là je pense que je le finirais pas. Parce que... Ah en plus regardez je l'ai même pas. Je l'ai même pas stable le boss. Ouais non je l'ai pas stable et tout. Là mon cry va être gêné pour rien. Ouais. Donc là je vais faire que de taper au cac, il faudra quand même faire attention parce que même si je... En vrai, pff... ouais je sais pas, peut-être que s'il était mieux placé j'aurais peut-être pu mais là... En vrai avec le boss, je sais pas. Ah, après c'est aussi à cause de Versatile les gars, là vous allez voir... Pff, en vrai, bon 7300 points de vie là, vous allez voir le yop il va faire mal. Je crois que je vais claquer peut-être une libé, j'en sais rien. Ouais, un souffle. Honnêtement, honnêtement. Il est où mon Zabal? Ah, il est trop loin mon Zabal. En vrai, attendez, je vais voir un truc. En vrai, je suis sûr je le finis. Hein. Ah oui, je le finis large. Ah, je le finis large. Ah, je le finis... J'adore ma team. I love my team. Come on. J'adore ma team. Que voulez-vous, je suis... un petit plastron, ça ferait pas de mal, mais... Purée, j'étais pas sûr de faire les 12 000 points de vie en un tour à cause de Versatile. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, les gars, je sous-estime ma team. Je sous-estime ma team. Et ça, c'est juste une réalité, hein. En plus, même avec Versatile, je l'ai fait, du coup... Après, j'ai 8 persos, certes, mais... Vous voyez, ça prouve juste que le Dofus nébuleux, le DDG, le pourpre, tout ça, c'est des Dofus importants. Faites vos quêtes, les gars. Plutôt que d'acheter les Dofus, faites comme moi dans cette aventure à zéro. Faites tout en quête et vous me remercierez plus tard. C'est là que vous voyez que... Bah, moi, j'ai rien dépensé pour les Dofus. Bon, c'est loin d'être fini, mais... Je vais essayer de faire très rapidement, quand même, hein. Là, du coup, le boss est terminé, donc... Attention aux dégâts, hein. Là, des champs explosifs qui font... Qui font le tarot. Où est-ce qu'il est, mon... Attendez. Lui, je peux le commencer? Ouais, non, lui, faut pas le commencer, du coup. Bah bon, bah, je crois qu'elle est morte. Je vois pas ma bombe. Ah, lui s'approche. Mon Ellie, elle est où? Ah, elle est là, elle est cachée. Mon Yop, il va bon. Je pense que je vais bon. J'ai du poison et je prends pas mal de dégâts. Hein. Ça, c'est sûr et certain. J'aimerais bien finir le champagnon, mais je vous cache pas qu'il est quand même relativement loin. Puis avec Versatile, ça n'arrange rien. Mon cry va mourir, je pense. Ah, je le finis pas lui, ça c'est frustrant. Ah, champagne, il faut que je le finisse, mais je peux pas. Attendez. Il y a de la pinot qui me gêne et tout. Et le champagnon là aussi, ouais, non, je pourrais pas le finir. Je vais taper un coup de cac. Ah, c'est mal joué de ma part, je tape rien. Ça va avec le. Gnoll, c'est pas mal. Aïe aïe aïe. Avec mon Inu, je peux finir. Attendez, c'est qui que j'ai chance? C'est le Kra, non? Ah, le Kra, il va crever, il est où? Il est là.
Ouais, le crash, j'ai chance. Yonkra. Il est en bas. Je vais faire ça, 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 et ça. Vous voyez, comme quoi, même si ces dernières semaines, ces derniers mois, je joue vraiment très peu, en tout cas beaucoup moins qu'avant, ben je garde quand même en tête le gameplay, quoi, le gameplay de ma team. Il est chiant, lui. Il faudrait que je tape au cac de temps en temps. Ça, c'est un bon tour. Bon, mon rab. Je sais même pas quoi faire en vrai. Hop. Bon, je vais booster Liop. Le Yop qui peut faire très très mal, hein, avec le coup de cac. Oh, les dégâts quand même. Putain, heureusement que j'ai pas mis de coup de cac parce que franchement, en fait il serait mort. Mais là j'étais trop mal placé et puis... En fait les champs explosifs depuis tout à l'heure ils me bloquent, c'est ça qui m'énerve. Puis je suis trop mal placé là depuis tout à l'heure, je suis tellement mal placé. Mais ça va parce que depuis tout à l'heure je faille pas à Versatile, donc ça va. Ça va, comme vous le savez les gars, c'est mon péché mignon en Versatile. Hein. C'est The Shulk que je rate sans doute le plus souvent parce que je suis quelqu'un qui aime bien spammer, donc forcément. Il manque un PM, tant pis, allez, je passe, je vais pas me prendre la tête. Bon, ça, c'est à cause des idoles Ulu, hein, c'est pour ça que ça rallonge là tellement les combats, quoi. Ouais, les The Ball qui crèvent, hein, The Ball qui crèvent, ils font trop de dégâts comme ça, de toute façon. Tiens, toi, je vais te mettre un coup de cac dans les dents. Il faudrait que je reconski, là, le Kra. Là, je peux pas, évidemment. Mais bon, de toute façon, ça va être plié. J'ai la coco. 7300. Bon. Pourquoi pas. Et voilà. 85 millions d'XP. Voilà, c'est Dofus. Score de 100 qui passe. Bon, il n'y a pas de succès dernier ou quoi, mais... Voilà, j'ai... Franchement, honnêtement, là, en fait, quand vous regardez juste le boss, hein, je vous parle juste du boss. Le boss, en 8 minutes, j'XP plus que le fossile. Parce que le fossile, je mets entre 20 et 25 minutes, je crois. Enfin, entre 15 et 25 minutes, le fossile, à 8. Parce que, bon, il y a plein de vagues et tout. Mais là, juste le boss, si vous comparez juste le boss et du coup, enfin, le fossile et le boss Luga hein, avec un châle et tout, idole, Luga, ça pex deux fois plus. Ça pex deux fois plus en un temps. Enfin, on va dire c'est le même pex avec des châles et tout. Mais là, en deux fois moins de temps, quoi. Donc, c'est ça qui est vraiment dingue. C'est que... Voilà, c'est juste insane. L'XP est dingue, tout simplement. En tout cas, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Franchement, c'est un donjon. Regardez les kamas et l'XP qu'on se fait. C'est incroyable. Même les fragments d'Ouga Roulette, quoi. 12 000 KU. Bidoche gâté, 20 000 KU. Et toutes les viandes à 8 000, etc. La tromperelle. Enfin, voilà. Là, je viens de prendre 85 millions d'XP. Donc, c'est juste énorme. Sur ce, les gars, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Est-ce que je vais farmer le Ouga ou est-ce que je vais farmer le fossile? Eh bien, réponse dans 2 jours, dans la prochaine vidéo. C'était Jessic. Ciao, bye bye.